bas musicien, bas pasteur, ils allaient bateau que il faut au bon moment. Une autre génération de musiciens, bas quoi, la France avait les Johnny Hallyday, autant au coup, bas Jacques Brel, bas Moussoussou, nombreux. Mais ça n'empêche pas la France d'avoir des artistes. Ça n'empêche pas l'Amérique à produire des artistes. Bah Michael Jackson, bah Oti Okufa, bah James Brown, naba Moussous Wakoufi. Au fur et à mesure que la génération Zokobotama, les artistes, bah Zokobotama, mais les artistes qui sont inutiles, tels que bah Olomide, bah Werason, bah Jibem Piana, bah Fali Ipupa, bah Fere Gola. Ça, ce sont des déchets artistiques, ce sont des déchets de la société qui sont corrompus par les envahisseurs et qui deviennent des milliardaires par la traîtrise et l'antipatrisme, si les mots existent. Mais vous verrez toujours derrière une cohue de fanatiques flatteurs pour vous défendre Bango, alors qu'ils vivent misérablement, ils n'ont rien. Vous devez cesser. Esprit à flatterie. Oh, Tosana Yango, nous sommes des flatteurs, des mendiants, des quémandeurs. Et nous ne voulons pas raisonner comment est-ce qu'il faut Kozoba, Banani, Kosala Bayfort pour changer Vinabisso. Nous voulons toujours quémander partout. Oh, comment? Oh, président. Au côté de n'importe qui, président. Président, parce que tu espères qu'après ça y a quelque chose. Mais ce qui m'a pris sur Moussala, au Sala Moussala, au Lingu, au Sala Moussala, on a bien été. Tu veux toujours qu'on te donne. Et cela se reflète mingi mingi. Nakati ya ba musique na biso. Toutes les chansons congolaises, à 99%, ne parlent que des femmes, du sexe. Et quand un homme s'agenouille devant le sexe, il est faible. Ça, c'est un. De deux. Banze Monyo sur Congo, toujours qu'on lance bateau à l'ancien. Attends du combo tel. Attends du combo tel. Tel. Moni, ce qu'on a commis, il y a un peu ça. Tel en Irlande, tel en Turquie, tel à un grand prêtre, na Bundes, tel na Boston. Boston, Dembo Kanayo. Bundes n'est pas nabino. Yo tanga kasango le teponi. Otanga kashabunda teponi. Otanga kambanaka teponi. Otanga kamatadi teponi. Kaka Bundes. Na Bruxelles. Na Netherlands. Na Japon. Oh le Chinois noir. Oh le métis noir. C'est quel genre d'art ça? L'art, c'est une vérité qui se reflète. Ce n'est pas un canal de tromperie ou de flatterie ou de mendicité. À part le rythme, il y a ma musique na biso. Ma génération. Mais c'est une coquille vide, il n'y a rien. Quand vous écoutez la... Olomide, j'aime bien ces chansons. Mais écoutez la dernière chanson qui fait rage. Papa Mobimbaye, Papa Mobimbaye, Ayeko Sani. Ayeko Sani. Il y a une chanson, quand nous étions enfants, on dit Papa Ayé, Zale Sili. Ça se complète. Le papa, c'est la figure emblématique de la famille quand il arrive. Il apporte tout un cargo de solutions aux problèmes de la famille. Ainsi, on dit papa aye zale sili, maman aye zale sili. Mais ton papa, papa mbimba aye, papa mbimba aye, aye kosala nini, amemi nini, c'est papa là. Alors c'est vague. C'est vague, oui. La rythmique nous fait danser tous quand on est ivre. Mais le papa Mobimba aye kosala nini? Aye na nini, le papa Mobimba? Aye na quelle solution?
Et sous un rythme endiablé, les gens s'emballent et ils oublient les problèmes qui les étreignent au quotidien. Nous sommes ce que nous faisons. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bon après-midi. Banamboka ba congolais. Zalim bala mi balé na intervenir na moya lelo. Na ntongo avabo kende na misa. Dans le baki, quelque chose. J'étais obligé de couper dengue de l'estage et bimaki na komino nga na fandaka. Alors, moto etu kozonga di nengina continuer malaba ona bandaki na ntongo. Nantongo na lobaki ki ezali na biso nde ezali ce que nous sommes. Ezaka maloba na biso te. Et j'ai bien interprété ça en français en disant que nous sommes ce que nous faisons et non pas ce que nous disons. J'avais donné une conclusion précipitée en disant que Mokili Mobimba bayebi que les Congolais azali flatteurs, mendiants, peureux. Il a fallu que tout la banda na moi na adjectif on a peureux, ça signifie mobangi. Moto a bangaka, mundimi, et quelqu'un qui ne veut pas se réveiller, qui ne veut pas goûter à la gnose. Quand vous parlez de l'agnotisme, la connaissance, qui est différent. Agnotisme ou zali l'agnose ou zali différente na dogme. Parce que religion ou zali dogme. Ou zali imposition ou zali diktat. Mais agnotisme ou zali kusenga na yo ou sala ba expérience, ba expérimentation ou luka. Tu dois chercher. Ou se questionner, ou me poser mituna, pourquoi ceci m'arrive, qu'est-ce que je dois faire pour faire ceci et cela. Ezali différent na kosambela et espérer que motomoko ayako bongola vinayo. Le monde entier ba ibike tozali batu ya kobanga, tozali batu tondimaka. Et même nos agresseurs nous ont donné un sobriquet de BMV, bière, musique et tout ce que vous voulez, et les femmes. Oui, c'est une insulte, mais ils nous ont observés. Et ils nous ont décrit de cette façon. Et c'est ce que nous sommes. Nous devons maintenant tout la Kisabango, le contraire de ce qu'ils croient que nous sommes. Ce que nous avons dit, les Congolais, nous avons dit dans la télévision, dans la radio, tout, nous avons dit dans les journaux. Même quand ils parlent entre eux, ils se disent, nous, les Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Le Congo, c'est un pays hospitalier.
Et voilà, nous, nous ne discriminons personne. Hein? Nous sommes hospitaliers. Boye Sangaye. Veini ni na monde oyozwa prix Nobel et hospitalité. Ou bien que ce soit un autre prix, Zalakaka prix Nobel, disons un prix pour l'hospitalité. Mboka nini na monde oyozwa prix hospitalité. Oyobiso to se targa kanango que nous sommes un pays hospitalier. Mais les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et la communauté internationale, Bayebanike, Bazali, ba pays agressif et agresseur. Nous-mêmes, tous les Bakeno, ils sont violents. Et c'est ce qu'ils sont. Parce que c'est ce qu'ils font. Nous, on nous décrit comme un pays hospitalier. Ça signifie, d'une manière euphémiste, là, que, ou métaphorique, là, que nous sommes un pays faible. L'hospitalité qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas maîtrisée, c'est synonyme de la faiblesse. Et ça se trouve dans l'expression nabiso ya français autocopié par la Mindele. Moto comme nanda konayo, j'en suis tombé victime une ou deux ou trois fois d'ailleurs moi-même. Et finalement, je me suis réveillé. Très souvent nous disons ce que tu recevras bah tu n'es pas nabiso. Écoutez, mon ami entre, mon frère entre, faites comme chez toi. Hein. Ozoyo kaire rwana, faites comme chez toi. Chez moi. Eh bien, chez moi, n'okiko tambo la bulumbo, je peux être nu. Chez moi. Ben, je peux jeter de la salive là où je vais. Chez moi. Je peux entrer dans la cuisine, me servir de la casserole. Chez moi. Je peux aller au frigo, prendre une bière, comme je veux. Chez moi. Je peux poser mes pieds sur la table parce que c'est chez moi, c'est dans mon salon. Na longoli ba sapato o lomba loba na ti so sito nanga za kulumba solo likolo ya ba table. Chez moi, je peux entrer dans la chambre de mes enfants, dans ma propre chambre, comme je veux. Chez moi, so ki ngai moko na zali, ngai na mwasi na ngai. On peut faire l'amour na kati ya salon, so ki bana bazali te. Dans les salons, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les jardins, parce que c'est chez moi. Il n'y a aucune loi. Et c'est ça les Congolais. C'est ça l'hospitalité quand nous disons « Faites comme chez toi. » Mais on ne peut pas faire comme chez soi quand on est visiteur, quand on est étranger sur quelqu'un. Quand tu es hôte chez quelqu'un, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit respecter les normes de l'hospitalité. Tu entres, on t'accueille. S'il y a un perchoir, tu y accroches ton manteau, si tu es venu en saison froide, ou ton képi ou ton chapeau, on te conduit au salon, ce n'est pas toi-même qui te conduit au salon. Et puis, il y a une toilette pour visiteurs, pour tout le monde. Tu ne vas pas aller faire ton aisance dans la toilette de ma chambre, parce que c'est chez moi. Nabongo, nabongo. Parce qu'il y a des lois dans la maison. Un visiteur ne peut pas faire comme chez lui, comme chez moi, chez moi, à la maison. Alors nous, on est contents, non? Et nous sommes un pays hospitalier. Tokozoa prix nini na hospitalité wana. On nous a pénétré à cause de cette hospitalité. Et cette hospitalité signifie que nous sommes faibles. En étant faibles, ça signifie que nous sommes incapables de gérer notre maison, de nous gérer, de gérer la famille. Et l'homme avait dit, Ozala Kanayo très impoli, réécoutez la chanson. Il est en train de nous sermonner, nous qui nous tapons la poitrine et qui croyons que nous pouvons ou nous avons réussi un prix d'hospitalité pour la Koyamba Bato. Tu ne peux pas permettre à l'étranger de faire n'importe quoi chez toi sous prétexte de la solidarité bantou, de l'amour bantou et de ceci et cela. C'est un signe de faiblesse.
Il faut qu'il y ait des règles. Et à l'époque, il y a un comité central. Après qu'ils aient commis cette gaffe, il y a coupé sa nationalité collective dans le Rwandais. Ils se sont retrouvés, ils ont corrigé. Coup de chapeau, bravo. C'est ça, nde esika moto ya malamu asalaka. Alors chez nous, aussi longtemps que tozali ko changer façon na biso ya koloba na ya kosalate, nous restons toujours faibles et le monde saura que nous sommes faibles, c'est ce que nous sommes. Tosamela ko bandakala. Et tous les jours, c'est un mot de passe parmi les Congolais. Motoki aussi sa phrase était sans qu'elle bano grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu. Bon, je vis bien grâce à Dieu. Dieu fait tout. Nzambe nini oyo azaka, o apesa kayo grâce. Ô Père son âme. Vous n'avez plus d'autres expressions synonymiques pour dire paix à son âme. C'est tout le monde, paix à son âme. Sauf que, bah, on parle de quelqu'un qui est mort, paix à son âme. Mais il y a plusieurs expressions. Et non pas seulement paix à son âme. Et on croit que quand on dit paix à son âme, on maîtrise bien le français. On croit quand on dit paix à son âme, Nzambe Azali Nabiso. Paix à son âme, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Nzambe nini wana apesa kabino grâce oyo azo kopesa biso grâce te ya ko libérer mboka pe ya ko bongola makanisi na biso toyeba qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer le pays et non pas en disant grâce à Dieu par la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu? Quel Dieu? De quel Dieu vous parlez? De quel Dieu vous parlez qui ne nous a jamais aidé depuis l'époque coloniale? Ti na mo alelo. Où est ce Dieu-là qui vous donne la grâce? Dites-moi, il est où ce Dieu? Alors, vous êtes des perroquets. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui ont une observation tout autre, une observation étrangère, bah, c'est ce qu'ils sont. Ils sont des naïfs. Ils sont des crédules. Ils sont des imbéciles. Ce sont des gens qui aiment la boisson, la danse, le sexe des anges, les habits, et ça se limite là-bas, et les gens qui parlent beaucoup pour ne rien faire. Les agresseurs, eux sont violents, et nous-mêmes, tout le Bakangouk, les Rwandais sont des violents, oui, c'est ce qu'ils sont. Les Burundais, les Ougandais sont violents, oui, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des envieux et des jaloux, oui, c'est ce qu'ils font. Bisson, maintenant, il faut cultiver la contre-attaque et le comportement wana tozala plus violent que bango. C'est comme ça que le monde vit. Ça ne vit que grâce à l'équilibre et à la force. Ça ne vit pas avec des supplications, avec des implorations. Bon, que l'église et micro se kousa la nini. Parce que vos vies ne changent pas. Les Juifs mais ce sont des guerriers. Ils ne protègent pas leur pays par des prières, ni par une armée de pasteurs qui vous font passer leur temps, enfin votre temps. Ils sont armés et surarmés. Les Arabes même. Les Européens, tout le monde, tout le monde. Parce qu'ils savent que ce qui est au Bundate, ce qui est en armée, les prières ne valent rien. Donc, bas musiciens, bas pasteurs, ils ont dit qu'il faut au bon moment. Une autre génération de musiciens, la France avait les Johnny Hallyday, Ota Okufa, bas Jacques Brel, bas Moussousou, nombreux. Mais ça n'empêche pas la France avoir des artistes. Ça n'empêche pas l'Amérique à produire des artistes. Bah Michael Jackson, bah Oti Okufa, bah James Brown, na bah Moussous Okufi. Au fur et à mesure que bah génération Zokobotama, les artistes, bah Zokobotama, mais les artistes qui sont inutiles,
tel que ba Olomide, ba Werason, ba Jibin Piana, ba Fali Ipupa, ba Fere Gola. Ça, ce sont des déchets artistiques, ce sont des déchets de la société qui sont corrompus par les envahisseurs et qui deviennent des milliardaires par la traîtrise et l'antipatrisme, si les mots existent. Mais vous verrez toujours derrière une cohue de fanatiques flatteurs pour défendre le bango, alors qu'ils vivent misérablement, ils n'ont rien. La gnose, la connaissance, ils ont conseillé à l'abisso, tout raisonner. Mais quand c'est l'abisso, qu'est-ce qu'il faut faire pour la kobunda, pour la se libérer? Vous rencontrez toujours des Quinois qui sont en train de dire, d'appeler Hippolyte Kagame Kanembe Ndeko Joseph Kabila. Mais si réellement nous devons nous libérer, bisogno si faut tous en langage moko, jamais nous ne pouvons plus appeler Hippolyte Kagame Kanembe Joseph Kabila. Ça doit être un mot tabou ou un nom tabou à prononcer. Ne l'appelez pas Ndeko. N'appelez pas Moïse Katumbi Ndeko. Ne l'appelez pas Mwana Mboka. Changer langage nabino. Ne l'appelons pas Joseph Kabila. Ne l'appelons pas ou ne les appelons plus Ndeko. Ne les appelons plus Mwana Mboka ou bien Banamboka. Nous devons changer le vocable. Nous devons changer le jargon. Cessons de dire grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Parce que ce Dieu ne nous sert à rien. N'entendons on a ébissibino que ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, et non pas ce que nous disons. Dieu a menti en disant Namotonyo so oyo a kondimila mwana nangai on a tindi po ya kwa on a pour acheter bino a péché. Je lui promets l'amour et la vie éternelle. Mais ce n'est pas ce que nous avons. Nous mourons. Ce n'est pas ce que nous expérimentons, nous souffrons. Ce n'est pas ce qu'il nous a donné. C'est la cruauté, c'est le crime. Bon, Zambé, c'est le criminel. Mais bon, Fongola, Mato, Yena, Mayele, Nabino. Mais combien de fois on doit vous le répéter? Nzambe Akosa, Abuka Lokuta, la promettre Bino Bolingo. Dans l'amour, il y a la sécurité, il y a la paix, il y a la tranquillité. Il y a la bienséance, il y a le bonheur, tant matériel que théorique. Mais il faut que, il fallait donc que Nzambe approuve en haut que Bolinganaye, le côté de soit à l'aise. Mais malgré que Sambe là, tout Sambe là, pour Nzambe Wana, mais cet amour ne nous a jamais couvert de protection. Nous sommes toujours à la merci de ceux-là qui sont violents. Parce que Yemoko a le bien à la Bible que n'hériteront du royaume des cieux que ceux qui sont violents. Bon, vous, vous êtes hospitalier et pacifique. Alors, vous êtes ensemble la popo qui est dans l'eau pour Nanine. Alors que Nzambe Yemoko Alubike n'hériteront du royaume des cieux que ceux qui sont violents. Donc, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, la communauté internationale, bangone bokena sié bino bokene na lifelo. Parce que vous ne vous battez pas. Vous devez cesser esprit à flatterie. Oh, tous en ayant, nous sommes des flatteurs, des mendiants, des quémandeurs. Et nous ne voulons pas raisonner comment est-ce qu'il faut qu'on banane pour ça là-bas fort pour changer Vinabisso. Nous voulons toujours commander partout. Comment? Oh, président. Écoutez n'importe qui. Président. Président. Parce que tu espères qu'après ça, il y a quelque chose. Mais ce qui m'a pris sur Moussala, au Sala Moussala, au Ligue, au Sala Moussala, on a bien été. Tu veux toujours qu'on te donne. Et cela se reflète. Mingi, mingi, nakati ya ba musique na biso.
toutes les chansons congolaises, à 99%, ne parlent que des femmes, du sexe. Et quand un homme s'agenouille devant le sexe, il est faible. Ça, c'est un. De deux, Banze Monyo sur le Congo, toujours qu'on lance bateau à l'ancien. Attends du combo tel. Attends du combo mutu tel. Moni, si on a commis, il y a un peu de ça. Tel en Irlande, tel en Turquie, tel en grand prêtre, na Bundes, tel na Boston. Boston n'est pas bon. Bundes n'est pas bon. Yo tanga kasangulu te pour nini. Otanga kashabunda te pour nini. Otanga kambana ka te pour nini. Otanga kamataji te pour nini. Kaka Bundes na Bruxelles, na Netherlands, na Japon, ou le chinois noir, ou le métis noir. C'est quel genre d'art ça? L'art, c'est une vérité qui se reflète. Ce n'est pas un canal de tromperie ou de flatterie de mendicité. À part le rythme, il y a ma musique Nabisso, ma génération. Mais c'est une coquille vide, il n'y a rien. Quand vous écoutez la... Oh non, mais déjà, j'aime bien ces chansons. Mais écoutez la dernière chanson qui fait rage. Papa Mobimbaye, Papa Mobimbaye, Ayeko Sani. Ayeko Sani. Il y a une chanson, quand nous étions des enfants, on dit Papa Ye, Zale Sili. Ça se complète. Le papa, c'est la figure emblématique de la famille quand il arrive. Il apporte tout un cargo de solutions aux problèmes de la famille. Ainsi, on dit papa aye zale sili, maman aye zale sili. Mais ton papa, papa mbimba aye, papa mbimba aye, aye kosala nini, amemi nini, c'est papa là. Alors, c'est vague. C'est vague, oui. La rythmique nous fait danser tous quand on est ivre. Mais le papa Mobimba aye kosala nini? Aye na nini, le papa Mobimba? Aye na quelle solution? Et sous un rythme endiablé, les gens s'emballent et ils oublient les problèmes qui les étreignent au quotidien. Nous sommes ce que nous faisons. Et non pas ce que nous disons. Nous disons beaucoup. Ça signifie nous parlons beaucoup. Bisso ba congolais. Mais on fait peu. Et de fait que tolingi ko sala eloko mon côté. Tolingi toujours ko tendre maboko. Ba pesa ngai. Ndeko langa pesa ngai. Ami langa pesa ngai. Mobai langa pesa ngai. Camarade pesa ngai. C'est ça l'état de mendicité, de flatterie, de faiblesse au Tosana Yango. Au lieu de Bunda, on est en train de nous tuer. Et la communauté internationale ne fait rien. Mais nous sommes en guerre contre la communauté internationale. Comment voulez-vous que la communauté internationale aille bas quelque chose alors que nous sommes en guerre contre la communauté internationale? Mais c'est la communauté internationale qui nous occupe. C'est la communauté internationale qui a et qui arme les agresseurs. Comment voulez-vous encore tendre les mains à la même communauté internationale, aux Okomapiso? Preuve que on ne raisonne pas. Ça ne passe pas là-bas. Something is wrong inside. Ça ne passe pas. Malgré les bas diplômes, tout ça n'a rien. Ça ne passe pas. Quelle justice la communauté internationale pour ça et pour ça biso? Nous devons nous ressourcer. Les Vietnamiens, baza batumi kuse bonete ba pigmente tozala bango na kati ya mboka. Ba bengana ba américain na ba français. Boti kumona seke les talibans. Ba sali malgré tout ebi ke il y a des accords tacites.
ndambo kati na bangonde balataka basokoto na babote il porte des sandales ba mususu baza pied nu baza na basokoto ba militaire te baza na ba ceinture te balataka nde bitambalo bangunzi na mutu ba bengani ba grande puissance ba bengana pe au début du siècle l'Angleterre kaka na mboka na biswana bisolo tozambinga nazam muluba nali akan kontu nazam mbinga nazam pomba pomba ya mbeto na basi pomba ya ko frapper des voleurs et des frappeurs comment vous avez trouvé le terme de frappeur qui est l'euphémisme des voleurs na koloba loba mingi on ne peut rien initier ceci provient de moi vib je m'adore vib kilkilele pour le Congo de Lumumba de Kasavubu, de Kimpavita, de compatriote Kimbangu, qui n'était pas un religieux, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent afin que la nation soit. Pourquoi l'âme? Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.